Ah, ma sœur vient de danser. Faut que je me casse d'ici avant qu'elle vienne me chercher là, hein. Danser avec cette musique derrière là. Toutes les Dominiques et nous, Espagnols, sur le bateau vent. Ça pue ici, ça pue. Comment estas, mis escravités? Aujourd'hui, les gars, on va aller à la plage et à la piscine. Je suis jamais allé à la piscine encore, mais je sais que les piscines, elles sont ouf ici. En plus, dans l'hôtel ici, il y en a plein. Il y a une là, une derrière. Hey, la caméra, elle est zoomée sur ma tête comme ça là. Donc, je vais faire un tour à une piscine. On va s'asseoir là, reposer, bronzer un peu. Demain, je pense qu'on va faire une activité. Je vais essayer de faire une activité Lille là. J'attends toujours la réponse du Boug. Du Boug va faire Lille Seona là, pour aller là-bas. Ça va être grave intéressant, ça va être grave cool. Pas comprendre, je sais que vous laissez faire, c'est même pas important. Bon, si je vous dis, vous allez être comme waouh, je n'ai pas de vrai. Non, laissez faire. Bon, on oublie ça, juste les gars, on y va. C'est ça, quoi. Les gars, j'allais à la plage et puis un bouc m'a arrêté. Tu vois, il m'a dit que il offre si on a Hélène là pour 55 balles, frère. C'est quoi cette belle offre? C'est quoi cette belle offre, les gars? Wesh, 40. 7h40. Okay. Finish. On commence à 7h40, on finit à 18h. Ah, 5h50, ok. Le pire prix que j'ai vu, c'est 400 balles. Ensuite, là, j'ai trouvé 90 balles. J'ai trouvé 75 balles. Et là, la meilleure offre, c'est 65 balles que j'ai eu. Et lui, il me donne encore une meilleure offre, 55 balles. Yo. Ici, là, tu dois vraiment essayer de trouver les meilleurs prix quand tu es en République Dominicaine. Tu dois pas, genre, quelqu'un te dit 100 balles, tu y vas avec 100 balles. Tu vois, tu essaies de trouver le meilleur prix. Et boum, tu vas avec. This one includes his catamaran, sign animation, dance. Yes. Okay. Yes. Ooh. His piscina natural. Chica. Les meufs quoi. It's a food. It's a food. Food. It's a, okay. Water, rum, snuff, and food. It's the most blessed excursion. Oh wow. C'est la meilleure excursion, il a dit. Genre, en plus, j'entends vraiment beaucoup parler. Genre, on dirait c'est vraiment la meilleure chose quand tu viens ici. C'est ça que tu dois faire. If you can go get the money now to secure your son, the better. Since actually, I believe. Oh, yeah, okay. Yeah, it's a different tour. It's a okay. Boogie. It's a boogie. Les gars, je lui ai dit que je vais prendre la. Parce qu'il m'a dit de prendre là-dessus maintenant. Parce qu'après ça, il doit sortir pour aller aider des touristes, quoi, tu vois. Donc là, il ne sera plus là après. Donc je vais aller prendre la thune maintenant. Reserve. Démarrage. Wesh. Et les gars, vous voyez Santo Domingo là? C'est une autre ville qui est ici en République Dominicaine, ok? Le gars qui m'a fait, qui m'a booké pour le boat party là, le truc sur le bateau là, lui, Santo Domingo là, il m'a dit 97$. 97 balles pour ça. Et je comptais le faire, genre, j'avais vraiment envie de le faire parce que là-bas, il m'a vraiment convaincu le book. Il m'a dit que là-bas, Christophe Colomb, ouais, l'explorateur là, il y a sa maison là-bas qui est présentée. Il y a beaucoup de trucs, de faits historiques qui sont présentés là-bas à Santo Domingo. C'est une grosse et belle ville aussi. Donc je comptais le faire, mais en même temps, quand il m'a dit 97 balles l'autre bug là, je me suis dit, je dois le faire, mais en même temps, c'est cher, tu vois. Mais lui, il m'a dit 60$. 50$ américain et 10$ américain. Donc là, ça fait 60. Les gars, c'est fait. Je viens de booker mon truc. J'ai payé. Il m'a donné ma monnaie en peso dominicain parce qu'il n'y avait pas d'échange américain. Donc là, c'est bon, on est bien. Demain, les gars, on va sur l'île de Siona Island. 7h40, je dois être devant, dans le lobby. Tellement d'activités à faire à Punta Cana que genre, tu te perds. Genre live, j'ai tellement envie de faire de choses que faire ça pendant les jours que je reste ici n'est pas assez, tu vois. Donc les gars, on est bien arrivé à la piscine, regardez ça, elle est là. Oh là, c'est trop fort. C'est trop fort. On y va un coup, ok? Arrête, Junior. Juste, vas-y, un coup. One shot. 3, 2, 1. Oh. Ah, elle est froide, mais dès que tu rentres d'un coup, ça devient chaud après. Oh, j'ai pas envie que mes cheveux soient mouillés. Fort, beau. Vous savez que j'aurais pu être un nageur professionnel. Je peux faire un aller-retour en moins de 2 secondes. Regardez ça, ok? J'aurais pu être un,
un nageur pro, mais c'est pas mon truc, quoi, tu vois. Il y a un truc que je sais pas faire, c'est nager sur le dos. Dans toute ma vie, j'ai fait un cours de natation. J'étais avec ma soeur il y a genre 10, 12 ans, 14 ans. Non, c'était il y a 15 ans. Et puis, on a pris des cours de natation, là. Et puis, c'est là-bas que j'ai appris à nager un peu. Mais je pense qu'on n'a pas fait tout le cours. Un truc comme ça, je sais pas, je suis pas sûr, mais bon. Nager sur le dos, ça, je me rappelle, j'avais grave peur de ça. J'étais comme ça. Là, maintenant, la madame me garde par le dos. Allez, vas-y, nage. Fais une étoile. Je suis comme ça. Elle me laisse, je commence à couler. Je suis comme, madame. Et là, je remonte à la surface. Là, elle est comme, non, calme-toi. Juste bas des pieds, reste en étoile et tu vas flotter et tout, là. Non, je peux pas. Les gars, je peux pas flotter. Non, j'ai peur de couler, bro. Je reste comme ça, je coule comme ça. Attends, on va y rester une dernière fois, ok? En vrai, le truc, c'est qu'il faut que je garde ma respiration et que je reste comme ça. Donc là, mon corps, il reste à haut. Attendez. J'ai réussi. La mia, la vida, es bella, la vida. Bon, les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le Siona Island, comme je l'ai dit hier mille fois. Et il m'avait dit d'être prêt à 7h40. Là, il est 35, là. Donc là, je vais descendre. Il m'a même écrit sur WhatsApp. You ready? Buenos dias. Ready? T'es prêt? Oui, je suis prêt. Je l'ai écrit. Oui, je suis prêt dans 5 minutes parce qu'il m'a dit, hey, 40. Il est 34. Donc, je suis à l'heure, là. Et le truc que je sais pas, c'est est-ce que j'amène mes souliers ou j'amène mes sandales? Et mes sandales, le seul truc qui me dérange, c'est que le diable par son ok, mais regarde ça. Ils sont presque morts, mes Nike, là. Donc, ça se trouve, je marche avec ça toute la journée et là, j'arrive à un endroit, boum, il se déchire. Qu'est-ce que je fais? Je marche pieds nus? Kim? Propre? Carré? Il est 37. Bon, faut que je descende. Vraiment. En gros, les gars, je peux même pas déjeuner à l'hôtel. J'ai pas le temps de déjeuner ici. Parce que le déjeuner même à l'hôtel ouvre à 8h et quelques. Et là, il est 7h. Donc, j'ai pas le temps de déjeuner ici, mais bon. On va l'attendre dans le lobby. Je vais écrire, regarde, que je suis déjà là. Ça veut dire, je suis dans le lobby et j'attends. Il m'a répondu ça. Bon, focus. Et m'a envoyé une photo de leur entreprise, j'ai pas compris. J'écris, est-ce qu'il est là bientôt? Le book dit qu'il est dans son entreprise. Là où je l'ai vu hier, là, je comprends pas. J'attends dans le lobby, non? Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Voilà. Yeah. When is the bus coming? Ok, il s'est coming. Ok. Il a dit qu'il arrive bientôt. Donc, on est serein, là. En plus, on est avec lui. Donc, le bus vient, boum, il nous prend, boum, on se casse. Oh, let's go, les gars. J'ai la connexion internet. On s'éloigne un peu trop de l'hôtel là, on commence à perdre la connexion. Et là, puisque je sais pas si la route sera longue ou quoi, j'avais envie d'installer un petit jeu là, tu vois, Subway Surfer. Tous ces jeux là, je les ai désinstallés de mon téléphone. Donc là, c'est ce jeu là, ça va pouvoir me garder un peu actif pendant la route, quoi, tu vois, pour ne pas m'ennuyer. Subway Surfer, let's go, vite. Vite, s'il vous plaît. 2 minutes et 52 secondes, s'il vous plaît. Bon, j'installe aussi Fruit Ninja. Je pense pas que je vais réussir à installer Fruit Ninja, mais Subway Surfer on l'a. C'est dans la boîte Subway Surfer. Il reste combien de temps? Il reste 3 minutes? Wesh, le temps fait que monter. Tout à l'heure c'était 2 minutes et quelques, maintenant c'est 3 minutes et... Ok, là ça redescend. Wesh, mais bon, go vite s'il te plaît. Les gars, en passant, Subway Surfer a réussi à installer, donc là on a réussi, mais par contre... Cote, le truc de fruits là, fruit ninja là, il a flop. Il est arrivé à la moitié et j'ai quitté là-bas et puis on n'a plus de connexion donc là ça a arrêté de charger quoi. Okay.
les gars, je me suis fait une porte ici, là. C'est elle derrière, là. On parlait des États-Unis, du Canada, d'ici, des gens et tout, là. Des activités à faire et tout. Ouais, français. Ouais, les français, je les ai entendus. Tu parles français? Ouais. Il y a beaucoup de français qui veulent y aller au Canada. Ouais, travailler et tout. Travailler. Moi, j'ai envie d'aller en France. Ben, visiter là. C'est comment? Paris, Marseille et tout, je vais aller. C'est bien, Inch'Allah. C'est cool? C'est normal, hein, il fait froid. Oh non. Je vais aller en été. Ben, mon été, il fait froid. Les gars. Il y a un book qui est derrière moi, bro, qui est dans mon groupe là. Il a une grosse caméra, bro. On dirait qu'il veut faire un film, frère. Moi, je suis là avec ma petite caméra là. Lui, il est là avec une grosse caméra. Genre. Il est comme ça là. Vous allez le voir, attendez. Regardez comment il est, les gars. Il a une grosse caméra. Il veut faire un film ici, frère. Il veut faire une série Netflix. Are you a YouTuber? No. No, you're just a commercial producer. Okay. So you're making like a commercial? Yeah. Okay. Yeah, we're doing some shooting for the corporation I work for. Okay. Wow. You? I'm a YouTuber. Nice. Au fait, il fait un commercial, il a dit. Donc c'est genre travailler pour une compagnie, au fait. C'est ça qu'on va prendre. Ouf. On est sur le bateau. On sera transféré sur l'autre bateau, au fait. C'est pour ça qu'on s'arrête. Je m'assois ici. Et ce bateau-là, il est plus grand que l'autre, donc on est bien, quoi. Juste à côté de moi, là, il y a comme un petit enfant, là. Elle me fixe depuis tout à l'heure, là, que je suis en train de filmer, là. Donc, je sais pas si elle le sait, parce qu'en plus, de base, quand je l'ai bien m'asseoir ici, là, elle avait mis ses pieds pour bloquer la place, tu vois. Et là, je sais comment je peux m'asseoir, et après, c'est pas vraiment dit. Ils ont dit de me laisser, donc elle m'a laissé. Et tout à l'heure, là, je suis en train de parler, elle me fixe encore là, frère. Vas-y, frère, va jouer au Roblox là. Pourquoi tu me fixes là? La vida est belle, c'est réel. Ça va chaud là, je sais pas comment dire. Ike fue, Ike es Ike na. Tati que ça ne fait qu'il ça. Pourquoi je dis la merde? Hein? Not now? After, after, ahora, after. Si. Elle m'a dit de venir danser. Je dis après, frère. Faut que je me casse d'ici avant qu'elle vienne me chercher là, hein. Danser. Pas chance pas sur ça. Je dis la merde, je connais même pas le son. Comment est-ce? Bueno! Bueno! Comparé au boat là, tu vois qu'on était sur le bateau avec des gens plus jeunes là. Les musiques qui viennent ici, c'est des musiques plus genre pour des personnes vieilles, genre, tu vois. Pas vieilles, mais genre plus familiales, tu vois. Il n'y a pas de ou tout ça là. Des sons genre plus trucs là, tu vois. Il y a juste des musiques comme ça là, de danse et tout là. C'est un peu plus familial ici. Les gars,
Je l'ai fait, j'ai dansé, vous m'avez vu ou pas? Ils ont mis un de mes sons là. Ok, hey, hey, ta, 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 ta. Gracias. Les gars, je ressemble à quoi là? Oh, wesh, ta, ta. Comme ça, bro, avec cette musique derrière là, toutes les Dominiques et nous, Espagnols, le bateau vont tomber pour moi. Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Wesh. Là, il commence à mettre des genres de sons que j'aime, frère. Ça, c'est mes sons, frère. S'il commence à mettre juste des sons comme ça, frère, là, je vais commencer à danser, frère. Si on fait un dance battle, bro, avec des sons comme ça, bro, moi, je gagne. Si, si ils en font ici. C'est quoi ça, frère? C'est quoi ça? Bon, les gars, on est finalement arrivé à Siona Island. Là. Regardez ça, ok? Regardez comment c'est beau, les gars. Ça, ça commence là, mais ça commence au fond et ça va jusqu'au fond là-bas. C'est grave beau. Regardez l'eau ici et tout. Et ça, c'est vraiment. J'ai hâte qu'on arrive là-bas, les gars. Et ce truc-là est trop bien, frère. Ça me va tellement. Ça a pris grave du temps pour arriver ici. Mais l'attente en a valu la peine. La vue est grave belle et tout. Maybe later. On m'a demandé des tips, bro. Les gars, j'ai pas mis de cash, bro. Je suis con. Ce que j'ai remarqué ici en Dominicaine, bro, tu dois avoir du cash partout où tu vas, bro. J'ai laissé le cash à la maison, ben à l'hôtel. Sinon, je leur ai donné un tip, bro. Là, il faut qu'on attende le guide. Parce que lui, il est encore sur l'autre bateau. Là, il n'y avait pas de place. Donc là, il faut qu'on l'attende. Il est encore là-bas. 23 ans. Oui, oui, oui. 23 ans. 23, ouais, c'est ça. À toi? Me, guess. Guess how old I am. 26. Non. 22. 22? 22. Oh, younger than me. Yeah. You came here with your family? Me and my mother. Oh, your mom? Maman. Okay. Ma mère. Ta mère, ouais. Ma mère. Un peu français. Uh-huh, okay. That's cool. You on the tour? Yeah, I'm on the tour. I'm waiting for my guy. He's over there. And you're Canadian? Yeah, I'm Canadian. But I'm French too. I'm French too? Yeah. I want to hear your UK accent. Me? Can I hear it? My name is Mia. I'm from the UK. I'm from Manchester. And I'm 23 and I love watching football. In my spare time I do boxing. A little bit of boxing. You box? Yeah. Damn. You gotta meet me up. Do you know Spanish for you then? Nah, un poco. Un poquito. Un poquito. Español. You speak Spanish? Un poquito. Un poquito? You can like talk to him in Spanish. I don't know that much Spanish. No? No siento. Siento. What I mean, siento. Sorry. No siento. Sorry, no sorry. No okay. Siento. Maybe later. Yeah? Later. Later. Yeah. Oh. Sorry, siento. Enjoy. Enjoy too. I'ma come back. You too. I'll be there. Yeah. Les gars, elle est venue à moi. Hein. Moi, je suis pas venu à elle. J'étais assis comme ça. Elle est venue. Elle m'a dit, tu viens d'où? Elle vient de UK, Manchester, en UK accent. Et elle a commencé à parler avec son français un peu pas français et tout là. Mais bon, le guide est arrivé là j'y vais. Je me suis fait une pote sur l'île, gang. Bon bah les gars, je pense que je vais l'enlever hein, parce que je suis le seul qui le porte là. Dans mon groupe là, je suis le seul qui le porte. Si je vois pas au moins 3 personnes dans les touristes qui ont ça, je l'enlève, bro. Hi. Hi. How are you? Oh, il y a beaucoup de gens qui viennent des UK qui sont ici. Ok, 1, 2, 3, ok, il y a plein de gens qui l'ont, regardez. Il y a plein de touristes. Tout à l'heure, j'avais juste vu des gens qui travaillent ici qui l'avaient. Là, il y a pas mal de touristes qui l'ont là. Et moi, ça va avec mon style au fait. Tu vois, regarde, les trades sont là comme ça. Et le guide nous a dit de nous asseoir ici. Et je vais pas vous montrer, ça sent tellement bon.
C'est grave, il y a du poulet, du riz, du pain. C'est ça qu'on est venu faire ici, quoi. Donc, après avoir mangé, j'imagine qu'on va aller visiter un peu l'île et tout. Je viens de manger là, c'était bien bon. On est libre sur l'île, en fait. Donc là, je peux marcher où je veux, aller où je veux. Quand il va être 14h30, le Bougazi, 15h, il va falloir qu'on se retrouve au même endroit. C'était un trampoline, frère. J'ai failli sauter dessus. Il est haut. On a le lago de Payatra. Là, il va voir toute l'île avec ça. C'est bon, hein? Ouais. Écoutez, hein? Tu vas rentrer là, il va faire froid. Il fait trop, il est en train de neiger là. Il m'a parlé, il neige là. Fuck. Il m'a parlé. Que je sens que je deviens noir là. Mais je suis déjà noir là, mais je deviens encore plus noir. Hein? We here, man. Ça pue ici, ça pue. Wesh les potes, on est de retour. On est paré pour aller sur la plage. J'ai quelqu'un qui va encore me vendre. Quanto? Mira, ve quanto puta. Let's say tease one. Oh. Quanto? Ça c'est. Just tell me the price, dis-moi le prix. Price. Give me 20, 25. $25? Damn. Ah, $25? I say. Oh, okay. Ferrari. Ferrari. Sorry. Eh? Ah. Very nice, my friend. Yeah. Yeah. Je vais voir après, je vais voir après. Ce sera peut-être ça. Non, non, après. Mais regarde ça, il va répondre pour ça. Après, parce que je vais à la plage là. Je vais à la playa. Non, non, je me vois pas, papi. Tu veux pas? Si. Mais c'est pas de cash, c'est pas de cash. Non, non, la cash, no problem. Wesh, les gars. Fais force, frère. Beautiful, man. Frère, pardon, laisse-moi mon père. Ah, je comprends. Oh, j'ai pas mis de cash aussi, bro. One moment, là. Ah, after, after, after. One moment. Non, oh putain de merde, bro. Il comprend pas, bro. Les gars, juste aller nager, bro. Je vais juste aller nager. Ce qui est ouf aussi, c'est genre, faut vraiment les comprendre parce que c'est le seul moyen qu'ils ont de faire de l'argent, eux, tu sais. C'est comme ça qu'ils font de l'argent pour vivre et tout. Moi, j'ai pas de cash, bro. J'avais du cash, j'aurais pris quelque chose. J'aurais même donné du type, bro, 10 dollars, un truc comme ça, bro, mais j'ai rien, bro. Bon, j'ai rien à amener et tout, là. Là, je vais l'attendre parce que j'ai pas envie de laisser ses affaires tout seul, là. Il a tout laissé là, bro. Massage. Hein? Yeah. Ok. My phone is dead, not now. No, you didn't have the telephone. He made to go. Okay. No, no, later. Okay, my friend, give me 50. Eh? Give me 50. I don't have my phone is dead. I don't know. No, hi, la machine. No phone. Ah, okay. Wesh. Parce que je paye avec la popée, pas avec ma carte. Ma carte est laissée à l'hôtel. Donc, il comprend pas. Je dois le dire plusieurs fois. Parce que... En tout cas, c'est chiant. J'aurais dû amener ma carte, bro. J'aurais dû amener. Genre, yo, les gars, faut vraiment. Sinon, en vrai, c'est une belle île. J'ai pas eu le temps de pouvoir marcher sur l'île au complet. Je pense que personne n'a eu le temps de faire ça. Personne ne peut faire ça, je pense. Mais j'ai quand même vu de belles choses là, tu vois. Genre, j'ai marché un petit peu.
laisse tomber ma cam. Je la laisse là, les gars. Je ne vais pas la faire tomber. Ça saute et ça va vite. Il a failli plonger dans un truc qui est même pas profond. Ça. Bon, je vais y aller, je vais nager un peu. Les gars, je dormais. Et c'est ce son-là qui m'a réveillé. Mais pongo tous mes sons. Pero no hay boda, Titi. Me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Nicola que juega bombón. Juega bombón. Les gars, voilà pour la journée au Sirona. J'ai pas pu filmer beaucoup de moments parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Donc là, je voulais pas risquer de faire tomber soit mon téléphone, soit ma caméra. Je vous ai montré un peu la journée. Je vais montrer comment c'est là-bas. C'est cool. Abonnez-vous. Dites dans les commentaires c'est quoi votre partie préférée de la vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si t'es resté jusqu'à la fin. Ça m'étonnerait que t'es resté jusqu'à la fin, bro. Si t'es resté jusqu'à la fin, bro, écris-moi sur Instagram live. Je suis resté jusqu'à la fin de la vidéo. Les gens étaient amicaux là-bas. J'ai parlé avec pas mal de personnes. Ma caméra était dans mon sac, donc là il y a plein de genre, tu vois, il y a plein de moments que j'ai pas pu capturer aussi. C'était ouf, c'était cool. Bah voilà que je finisse en danse. Je vais mettre une autre chanson. J'ai essayé ce son là hier quand même. Je commence à connaître les sons là.